Allez, je vous propose une astuce sur Windows pour pouvoir faire vos raccourcis dans la barre ici vers les sites qui vous intéressent le plus. Par exemple, ici, vous avez par exemple la télévision d'Orange. Pour ceux qui sont chez Sosh et chez Orange, vous avez la possibilité d'avoir aussi le journal 20 minutes. Et si par exemple, je veux créer un raccourci dans ma barre des tâches pour obtenir le 20 minutes, je vais prendre trois petits points en haut à droite dans Chrome. Je vais cliquer sur plus d'outils, je vais faire créer un raccourci. Je vais faire pareil, donc 20 minutes. Je vais faire pareil ici avec la télévision d'Orange. Je vais faire plus d'outils et je vais faire créer un raccourci. Ok, TV en direct. Sur le bureau directement sont apparus l'onglet 20 minutes, le raccourci 20 minutes et le raccourci télévision en direct. D'accord? Et donc, quand je vais les prendre et les glisser dans la barre, je les mets dans la barre, ils y sont directement. Ok, et donc quand je clique sur ouvrir le 20 minutes, j'ai le journal qui s'ouvre. Si je vais tout fermer, j'ouvre le 20 minutes, le journal s'ouvre directement. Ok, avec la une et le journal. Lorsque je vais cliquer sur la télévision d'Orange, c'est pareil, hop, ça va se faire tout de suite. C'est bon? Voilà. Donc c'est très rapide. Trois petits points, plus d'outils. Hein, créer un raccourci, une fois que le raccourci est créé, on le glisse dans la barre des tâches, on le clique une fois, on maintient et on le fait glisser jusque dans la barre des tâches, et une fois que c'est terminé, directement j'accède au journal, je lis mon journal, j'accède à la télévision, si je regardais mes chaînes de télévision, une fois que je clique sur une des chaînes, on peut zapper ici, d'une chaîne à l'autre. Rapidement. Voilà, c'est tout.